Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour la 6ème et dernière étape du Santos Tour de London reliant Adelaide à Adelaide. Donc c'est une étape toute plate, avec juste deux petites difficultés répertoriées. Bon, c'est un petit circuit, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ça va être tout plat, ça va jouer au sprint. 90 km à parcourir avant d'arriver sur la sprint finale et clôturer ce Tour de London. Donc Peter Sagan est normalement le successeur de Simon Gerrans, et sauf énorme erreur, le général devrait absolument pas changer avec Sagan 1, Clark 2, 3, Ratto, 4, Pulse et 5, Lastra. Bon, à part s'il y a une attaque qui part, j'y crois vraiment pas. On va faire parader Joach Sagan en tête avec l'échappée. C'est juste un petit délire comme ça qui me vient par la tête en ce moment. Oh, c'est toujours Koch, et cette fois-ci ce sera Paterski qui s'occupera de la protection. Bien sûr, Paterski va pas protéger Koch comme je suis en train de faire, mais Sagan. Et Koch déjà va une protéger attaque. Daniele Ratto. Et où est Joach Sagan? Donc si on va sûrement rester les 90 km ensemble. Et oui, 90 km sur une course. J'avais jamais fait ça. Hop, voilà, Lamerting qui va aussi avec Oliveira. Sa chance en je solitaire. Pense que les vacances soleil ont tout à fait droit de mettre quelqu'un devant. Ils ont poussé énormément pour essayer de mettre l'écart dans les entre la conditions. Tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Ou l'échapper, mais bon, les trois quarts du temps ça a été la Cannondale qui les a ramassés. Pulse, je comprends qu'ils reviennent. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Beaucoup mieux à mon avis, ils pouvaient même faire le deuxième à la place de Clark, parce que son équipe avait énormément travaillé pour lui. Donc ouais, Joach Sagan qui est rentré dans l'échappée, qui est composé de Lloyd, Van Leinen, Lamerting, Oliveira, Timmer, Plaza Molina, Kadri, Sagan. Et derrière, c'est Euskaltel qui va mener la danse. Derrière, nous retrouvons un Contador. Oui, bon, je délire un petit peu. Un Saxo, équipe de Contador. Donc, Joel Jensen. Puis nous avons toujours la Katusha avec Selling et Korjos Kouf. Et Cantwell qui roule toujours. Qui roule pour un Saxo et CRD Agri pour j'ai oublié le nom, Euskaltel, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai oublié le nom parce que le maillot est tellement visible. C'est dommage d'ailleurs que cette équipe n'existe plus. Donc Sagan va imposer son tempo pour le moment. 3 minutes 2, c'est énorme. Bon, sur une le peloton ça, semble avoir réagi et reprend du terrain, voilà. Sur l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Si j'ai attaqué, c'est juste pour envie, entre guillemets. Et voilà, Sagan qui peut lever les bras. Donc Sagan qui va remporter ce sprint intermédiaire. Sans trop de difficultés. Et derrière dans le peloton, bien sûr que ça va accélérer, même très fort. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois BMC en dehors pour Santa Rometa, qui est ici devant. C'est vrai que c'est pas vraiment eux qu'on voyait le trois quarts du temps devant. On reste 5 km, on va se mettre juste devant avec Joach Sagan. C'est vraiment la parade parce que après il sera totalement cuit le pauvre. Voilà. Et voilà, première attaque Van Leinen. Sagan qui coupe nouvelle attaque l'attaque dans le groupe de Van Leinen. Et qui va s'imposer au sommet. Qui n'aura pas eu Joach Sagan. Van Leinen. Donc, et nous voici à la mi-course. Déjà à moitié de la course, si vous vous rendez compte, ça va très très vite. Et ils boivent beaucoup à cette course. Ils ont peut-être aussi pris beaucoup moins de ravitaillement. Donc, voilà, ici vraiment, regardez, ça parade pas pour Katusha, Saxo et Euskaltel qui roulent quand même comme des effrénés pour récupérer une échappée assez conséquente. Et notamment avec Joach Sagan qui compte déjà une victoire. C'est important à le dire.
c'est peut-être sa seule victoire de sa carrière, qui sait, qu'il aura dans Pro Cycling Manager et ma carrière, autant le noter. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on gagne avec Joachim Hagen. Le dernier sprint intermédiaire de ce Tour de Under va se jouer sous vos yeux, mesdames et messieurs. Regardez le sprint ébahi de Joachim Hagen et de Kadri. Joachim Hagen va s'imposer assez facilement, normalement. Oh, le retour de Kadri. Quel retour de Kadri et de Plaza Molina. Plaza Molina. Ouais, mais c'est vrai que Kadri, à mon avis... Ah non. Non, le meilleur, c'est encore Joachim Hagen. Bon. Il est peut-être plus coué et c'est vrai qu'il n'a pas la même endurance. Que Plaza Molina et Kadri qui sont quand même meilleurs pour ça, je dois l'avouer. Donc ici l'écart est en train de fondre littéralement après le Grand Prix de la montagne ici. Ça va foncer à 100 à l'heure pour le sprint final. Bon, ici nous allons bientôt. Ah bah regardez, Hagen qui se lâchait, c'est tout à fait normal. On va assister au dernier Grand Prix de la montagne. J'espère que Van Leijnen va le remporter. Et voilà, Van Leijnen qui a seulement 2 points va remporter. Il ouvre la route depuis un long moment et son coup de pédale paraît de plus en plus heurté. Le final va lui paraître interminable. Et donc Van Leijnen est là. Et le final interminable, c'est bien sûr pour Van Leijnen. Donc ici, il reste plus que 20 km. Nous allons bientôt devoir remettre le train du sprint. Mettre le train en route, donc dès qu'on peut, ici, il faudra encore attendre, je vais mettre ça vers 15 km, grosso modo, peut-être quand Joachim Hagen sera récupéré, voilà, il va aller chercher vite les bidons, et voilà, nous allons remettre tout le monde devant, Hagen va devoir suivre, je propose de faire Hagen, Rato, Poivin, normalement c'est Coq, mais on va faire Worth, Coq, Paterski, et voilà. Normalement c'est Paterski qui va devoir jouer un rôle assez spécial, puisque s'il perd contact avec le devant, on peut presque dire au revoir. Chris, s'il reste de moins en moins de temps de kilomètres, quand je dis presque au revoir, c'est au revoir. Voilà, parce qu'on est trop bas, faut remonter. J'espère que Coq va savoir remonter, parce que là, ça me plaît pas du tout. Et il reste 9 km, l'échappée est toujours devant. Et ça attaque, j'ai l'impression, mais bon. Pas assez fort pour que quelque chose se détache. Hop. Coq va devoir donner là. Mais qu'est-ce qui se pose ce corps ici ? Worth qui est complètement dans les choux, j'ai l'impression aussi. Ah voilà, il remonte. Et... Ouh là là, c'est Boivin qui est bloqué ici, on voit bien. Il reste moins de 5 km à parcourir. Et voilà, l'échappée qui a été récupérée grâce à Coq. Et donc maintenant, il reste moins de 5 km. Et c'est parti pour vraiment le grand sprint final. Vous voyez Worf qui commence à prendre des choses en main. L'homme juste derrière notre poisson pilote. Avant le poisson pilote et Hagen. Donc vous voyez ici Worf qui est déjà quasi cuit. Et on aura très très bien travaillé tout du long. J'aurais peut-être dû faire lancer le gel énergétique un tout petit peu plus tôt. Donc on va laisser Worf rouler jusqu'à quand il peut plus. Donc maintenant, zut, je me suis fait avoir. Boivin va lancer, excusez-moi, donc Boivin qui est à 41 seulement, ça c'est pas bon, je devrais lancer à plus. Donc c'est vrai que Worf n'a pas une excellente accélération non plus. Une excellente accélération, c'est 75, c'est déjà pas mal. Bon, 70 c'est le minimum je trouve pour une bonne accélération. C'est parti pour l'emballage final. Boivin qui cale déjà. C'est vrai qu'on est toujours à plus de 40 km/h. J'espère que quand Hagen va lancer, il va vraiment décoller. Voilà. Regardez. Ça, c'est du Hagen. C'est un sprinter. On voit directement que Rato cale. Ici, Mondori qui remonte. Rato va caler
si vous voyez ici, malgré son 66 km/h, Sagan est à 73 km/h. On voit très bien que Rato n'est pas un sprinter pur sang, et Sagan qui va s'imposer cette dernière fois. Il aura défilé entre guillemets à Adelaide, son petit défilé et sa petite victoire. Donc Sagan qui aura vraiment écrasé par son profil typique. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. C'est son profil typique, que j'ai un profil que je recherche dans les coureurs, dans les jeunes, parce que c'est un profil tellement spécifique, tellement chouette à avoir, parce que voilà, si vous savez grimper, faire des contre-la-montre, du prologue, passer les pavés, faire du sprint, c'est génial. Ici, bon, ce que je recherche surtout, c'est des grimpeurs, punchers, rouleurs et coureurs de classique. C'est déjà plus dur, mais bon, il y a toujours moyen de trouver des Grimal, des gros. J'en avais d'autres même ici. Rato qui finit quand même à une très belle 6e place pour terminer ce Tour de Nonder. Boivin qui aura assuré, je trouve, pas spécialement sur cette étape, mais qui aura assuré tout du long, qui a permis quand même une victoire de Sagan. Ici une nouvelle victoire de Sagan, chapeau à lui et bravo. Donc voici maintenant les meilleurs moments de la course. Toute l'équipe, on a très très bien bossé. On n'est pas venu avec une équipe spécialement forte. J'aurais dû peut-être amener Salerno qui aurait été bien. En plus, on aurait pu prendre des meilleurs en vallon style Coron. Bah, ici nous avons juste vraiment deux gros vallons entre guillemets, donc à plus de 72, parce que ici il faut pas, c'est très gros, Sagan et Rato, et tout le reste, voilà, c'était du surplus pour eux. Boivin, Worth a très bien joué comme Sagan. Boivin n'a pas été mauvais du tout. Koch a très bien protégé dans son rôle, donc voilà, je peux dire que je suis très très content de l'équipe. Et donc on va aller voir les podiums. La classement d'étape, c'est Sagan devant Offland, Guarnieri, Andorri, Fischer, Rato, Arm, Hunter, Simonet et Winden. Les Italiens peuvent être un peu déçus. 3 Italiens dans le top 10 et un seul dans le top 3. C'est un Slovaque qui gagne pour une équipe américaine. Donc, ici, Sagan s'impose sur le Tour de Dunder avec 2 minutes et 1 seconde d'avance sur Clark, 1 minute 34 sur Rato, qui finit troisième. Alors, général point, c'est Sagan qui s'impose pour énormément de points d'avance. Je vais pas faire le calcul devant vous, devant Worth et Sagan de nouveau. Donc, on aura vraiment bien cadenassé la course partout. Vous voyez ici très bien où on a des schémas répétitifs de personnes. Donc ici, nous avons Sagan toujours qui est le meilleur grimpeur devant Clark et Worth. Donc, vous voyez qu'on est toujours présent dans le top 3 avec minimum 2 coureurs. Donc, on a très cadenassé. Si on a vu Kum qui a pris énormément, qui a perdu de temps, Willunga Hill et Sagan qui a été royal avec Rato. Donc, c'est vrai que ce Tour de Nonder a été très très bon, même meilleur que ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé peut-être une victoire tous les jours de Sagan, même pas de Wash, mais Peter et le reste qui aurait été complètement dans les choux après la troisième étape. J'aurais plus eu d'équipe. Ici, je suis vraiment très 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 content. Donc Sagan était le plus rapide, et dans l'ensemble, on peut dire que l'équipe, la Cannondale, a très bien joué. Le plus bas, c'est 8 minutes 48, donc 77e du tour. C'est peut-être pas génial, mais Koch a fait super bien son travail, donc je lui en veux pas. Il a très très bien travaillé, malgré une équipe multiculturelle, puisque multinationale aussi. Il n'y a pas deux coureurs du même pays, à part Sagan et Sagan. Sur 7 coureurs, avoir seulement 2 du même pays, ça peut parfois poser de tension, parce que voilà, la langue fait office de barrage. Même si l'anglais, bon, je vais chercher des explications un peu farfelues, on est dans un jeu, il n'y a pas de langue, rien du tout, pas de français ici. Donc oui, moi je dois franchement dire que je suis ravi de ce Tour de Nonder. Je connais le résultat du Grand Prix de la Marseillaise, j'espère qu'il sera tout aussi bon. Mais bon, voilà, ça risque d'être un peu plus dur parce que Nozer n'est pas en forme et Viviani non plus. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le GP de la Marseillaise. À tout de suite donc.
Donc on se rejoint ici après le Tour de Nanterre pour le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Donc vous voyez, c'est un parcours assez vallonné qui devrait soit profiter à un puncher, soit un sprinter s'il arrive à passer ceci et ceci. Le leader, le favori, c'est Moreno Moser devant Arthur Bichot, Jonathan Hiver et Ross Capé. Puis nous avons de nouveau un Cannondale en la personne de Viviani. Puis nous avons Sorensen et le reste, voilà, vous en doutez, c'est plus ou moins tout ce qui est sprinter qui passe les ballons. Donc je pense que un Bataglin sera très très certainement quelqu'un à surveiller. Donc nous allons aviser tout ça. Donc on va être ensemble jusque quand l'échappée va partir, puis on se rejoindra pour les 10 derniers kilomètres, grosso modo, allez, à la limite ici et là, parce que voilà, c'est vraiment pas intéressant. Donc vous voyez, j'ai pris l'équipe plutôt faible à part Moser et Viviani. On peut pas dire que c'est de la grande crème. Corone est très bon, j'avoue, comme équipier, mais à part ça, voilà, nous n'avons pas tellement de leaders. Ça, c'est un problème de la Cannondale, je dois l'avouer, c'est un petit problème. Et directement, Bourdais, Boireau, Capel, ça paraît un peu audacieux comme tactique. J'aimerais bien que les autres coureurs remontent. Krizek qui va protéger Moreno Moser. Salerno qui va rester. Une attaque vient d'être lancée. En équipier. Ici Viviani qui remonte. Comme Christian Coron. L'échappée qui a été reprise. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Donc il me reste Marangoni. Donc Marangoni partira dans l'attaque. Quoique. Non, Brian Van Bork. Marangoni va protéger. Et il y a Viviani, et Datalto protégera donc Christian Coron, qui doit juste remonter un petit peu. Donc l'échappé pour le moment qui part, c'est Boireau Ismin. J'aimerais bien que Vandenberg remonte assez rapidement, je dois l'avouer. Et on assiste encore à une nouvelle attaque. Ouais, il devrait remonter maintenant. Et voilà, donc attaque de Brian Vandenborg, qui a été champion du Danemark déjà très jeune. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Je me demande même si c'était pas juste avant Lander. Je ne suis pas très fort au championnat du Danemark, je dois l'avouer. Donc, on va attendre que Vandenborg rentre sur l'échappée. Enfin, ça risque de mettre un petit temps. Donc je me demande si c'est pas le GP de la Marseillaise de 40 les Landes qui m'avait donné pour une DB U23. Donc, je suis pas sûr, mais je pense que c'est celui-là. Donc, voilà, on va se rejoindre ici et puis là. Donc à tout de suite. Donc ici il reste plus que 63 km. Les choses vont se durcir, bien sûr. Donc déjà avec cette côte qui risque déjà de faire très mal. Si ici j'ai peut-être, voilà, c'est ce que je cherchais, alors la personne de Cristiano Salerno. Donc ici ça va directement chauffer beaucoup plus. Je vais vous expliquer ma tactique. Je vais mettre toute mon équipe à 85. Salerno va rouler pour vraiment faire exploser les sprinters. Vous voyez déjà ici le montagnier qui a lâché Chartero, Zardini. Et le but, c'est d'en lâcher encore beaucoup plus sur ces pourcentages, qui ne sont pas très très hauts non plus. Bon, le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Il n'est pas très très bon. Moser devrait bien s'en tirer. Donc à la limite, même faire rouler Krizek pour aider Salerno. Donc oui, ça va peut-être fondre sur l'échappée, mais bon, le but ici, c'est vraiment de prendre du temps sur les principaux sprinters. Mais ici Vandenborg fait la même chose avec l'échappée. Le problème, c'est que Vandenborg n'est pas assez fort en montagne et en vallon vraiment pour faire créer une différence, comme Krizek et
Salerno. Si je fais rouler Moser, ça c'est tout à fait différent. On annonce la chute d'un coureur. Et Zimin qui chute dans l'échappée. Et derrière, c'est revenu à part le montagnier. Et ça casse. S'il y avait eu encore un petit peu de montée, oui. Si c'est en train de casser, j'ai l'impression derrière. La coupure n'est pas nette, mais dans la montée, j'avais eu l'impression que certains étaient un peu à bout de souffle. Reste maintenant plus de 50 km, c'est clair qu'échapper devrait être récupéré. Ici c'est quand même. What? Viviane qui emmène le train, ça c'est plutôt une mauvaise idée. Krizek qui va reprendre sa place au protecteur pour Moser. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Dès qu'on descend, ouais, maintenant. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué. Diminué, parce que voilà. Il n'y a pas vraiment d'avantage à réaugmenter. Donc on va laisser Dalto ramener les bidons. Tandis que Van den Borg est toujours ici devant. On va aussi le faire diminuer dans son effort. Oh là, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. C'est André Madrazo qui vient de tomber à l'instant. Ouais, Madrazo, bon. C'est un petit candidat à la victoire, mais je pense pas que... Ouais, pardon, je vais peut-être faire ceci. Je pense pas que ça jouerait quelque chose, franchement. Même si c'est le leader de la Movistar, je pense pas. Donc voilà, on va se rejoindre pour les 20 derniers kilomètres. Donc à tout de suite. Donc voilà, il ne reste plus que 20 km ici. Et vous voyez que la course a déjà bien changé. J'ai oublié son nom. Zimin a été récupéré il y a à 30 km. Et pour le moment, vous voyez très bien que l'échappée aura du mal et commence à rouler pour garder cette avance, même si l'auto roule. C'est plutôt bizarre ça. Donc nous, on reste en bloc bien derrière pour le moment. Faut pas, certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Mais vu la montée en rythme du peloton... Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais ça, c'est plutôt devant... Van den Borg, le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Regarde, donc Van den Borg qui arrive à faire en sorte... Visiblement, l'allure ne convient pas ici, à certains avec coureurs Barbin, qui sont en train Christophe de Lemaitre, s'échapper Tom en Dumoulin, tête du peloton. Lagoutin et Stettina. Derrière, c'est bien sûr la Cannondale qui va devoir rouler. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Je vais plutôt alors miser sur un sprint qu'une attaque qui pourrait être peut-être un peu plus hasardeuse. Van den Borg qui est vraiment cuit ici. Alors, ça s'agite à l'avant. C'est Salerno qui va devoir utiliser son gel. Leclerc qui va, j'ai vu. Je peux toujours tenter avec Moser, mais j'y crois pas. Donc attaque de Moreno Moser. Encore une attaque. Peut-être l'échappée décisive. Donc Moser est complètement hors forme, il hein, faut le dire. Encore 10 km à parcourir. Si déjà je suis content que Viviani est tenu pour le moment. Si on est dans la descente, et c'est pas vraiment le fort de Moser. Est-ce qu'il creuse ou pas? Ah voilà, il a creusé. À part Viviani, ils vont tous utiliser gel. Alors Moser est retourné dans le peloton derrière Viviani. Il reste moins de 5 km à parcourir. Moins de 5 km et j'ai que deux hommes comme relais pour Moser. Ça risque d'être peut-être un peu chaud.
jusqu'au temps duc du moulin était déjà à 2,7 km, que nous on a 3 km, ça risque vraiment d'être très très chaud. Maintenant, Viviani Moser doit utiliser le gel aussi. On va lancer de très très loin avec Viviani. Trop loin même pour espérer quelque chose normalement. C'est clair que je suis un peu déçu du résultat. Ici, c'est tout à fait logique qu'on ne... On ne doit pas faire, on ne peut pas faire. Ça doit être même... c'est catégorie qu'on ne peut pas faire un top... si ça va être top 5, donc ça c'est limite, mais bon. Normalement, on peut pas. C'est pas possible. Donc, Dumoulin qui va sûrement gagner. Maintenant, c'est le moment de lancer Moser. Dans la bataille, Leclerc qui revient très bien ici. Sur ce faux plat montant, Marzinski qui prend le devant sur Moser. Moser est vraiment hors forme et j'ai fait cramer Viviani, le seul qui aurait peut-être été capable de fournir un top. Top 10 grand max. Oui, la course est plutôt décevante. Alors, ça va au moins faire taire la critique comme quoi je maîtriserai trop mes courses. Je pense pas que j'ai un peu mal joué, j'avoue, j'aurais peut-être dû cadenasser les attaques. Mais bon, j'ai pas fait, j'ai laissé un peu la Movistar à mon plus grand dame. Mais bon, voilà, ça arrive de perdre, on ne peut pas toujours être au top. Il est allé puiser au plus profond de lui-même pour décrocher la victoire. Et puis nous, on est défait face à quand même Samuel Atom du Moulin, je sais pas pourquoi Samuel, qui n'est pas le dernier petit non plus, hein, donc il est fort bon. Oui, Le Mével, Barbin, Stettina, Marzinski, Viviani va faire 6 et 10 Moreno Moser, donc 10e avec Moser, c'est plutôt limite, surtout sur un parcours comme ça. Bon, en tout cas, voilà, j'aurais dû faire mieux. J'aurais pu faire mieux, bon, tant pis. Donc voilà, je pense pas vous faire un dessin du top 10 non plus. On va pas s'attarder sur les podiums. Directement voici la maintenant les meilleurs moments de la course. Voilà, wow. Oh mince, c'est une habitude que je prends et tant mieux. Donc vous voyez, le peloton arrive 20 minutes, 20 secondes après. Marzinski qui règle normalement le peloton puisque Le Mével, Barbin et Stettina étaient devant par échapper. Voilà. Moser, j'ai un peu cramé en attaquant. Bon, c'est pas trop grave. Surtout que le tour... Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que le tour du Qatar arrive et que Viviani n'est pas apte à régler encore un peloton. Ça m'inquiète un petit peu. Donc, voilà. Et on est la deuxième team, donc c'est pas si mal que ça. Donc on va vraiment pas tarder ici. Voilà, on va aller... Vous allez voir, Dumoulin vainqueur du jour. Voilà, hop, équipe, c'est peu de côté, Cannondale, voilà. Le premier il est 6ème et le dernier il est 82, donc c'est pas fameux, bon, Dadalto 82, Krizek, Barangoni c'est pas trop mal, Vandenborg aussi, après Salerno, Moser, et Salerno n'a rien à se reprocher, il a très bien géré, il a bien roulé, et puis il était cramé, allez. Donc moi je ne lui reprocherai rien, Corone peut-être un petit peu, bah, bon, il a fait son possible. Viviani, voilà, il a été cramé sur le sprint et Moser aussi. On était un peu limite pour ce Grand Prix de la Marseillaise. Donc voilà. On peut pas toujours gagner. Et tant mieux d'ailleurs. Donc je dois faire la course avant, mais elle sera mise dans le montage après. Le tour de Under. Donc, qui sait, peut-être que sur le tour de Under, je ne gagnerai pas. Comme dernière, ce serait quand même bien de terminer par une petite victoire encore pour montrer qu'on aura bien écrasé ce tour, que Chagan aura très très bien écrasé ce tour, surtout les frères Chagan. Il faut dire que Joach et Peter Chagan sont les deux. Peter Chagan va être le grand vainqueur du Tour Down Under sûrement, et Joach Chagan aussi très grand vainqueur avec sa victoire d'étape qui a surpris tout le monde. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Parce que oui, je mets la fin ici, comme elle sera à la fin. J'espère vous retrouver très bientôt pour le tour du Qatar, où cette fois-ci, je vous promets, il va y avoir de la bataille sur les sprints avec Chagan, Moser, Viviani. On va essayer d'apporter aussi, pourquoi pas, quelque chose en ITT, mais bon, en TT, en team, bon, le contre-la-montre par équipe, TTT,
Mais bon, j'y crois pas vraiment, à vrai dire. Ce serait même très très dur pour nous de faire quelque chose dessus. Bon, on va essayer de quand même avoir le maillot de meilleur jeune. J'y crois pas trop. Le tour du Qatar risque même d'être très très complexe à cause de ce contre-la-montre. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye tout le monde.